Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon bah, bienvenue aux deux derniers, ou dernières, je ne sais pas. Vous êtes 290, compteront. Donc je tenais à faire une petite vidéo, hein. Compteront 290. Bon, on approche des 300. Merci d'abord, hein, d'être dans ce monde de fou dans lequel je vis. Non, c'est pas si fou que ça, hein. Disons que c'est le quotidien. Alors oui, je sais, je suis gonflée, vaillée. Parce que Vainé s'est gonflé. Donc, pieds et yeux, bien sûr. Alors, ne cherchez pas, hein, j'ai encore des vaisseaux de pété dans les yeux, donc de ce côté-là et de ce côté-là, c'est tout rouge. Enfin bon, de loin comme ça, vous ne pouvez pas trop le voir. J'ai recadré un peu. Voilà. J'ai mes loulous qui font les fous. Et ça rime. C'est la bagarre pour la toilette. Alors ne vous étonnez pas si je rote. Je viens de prendre mes médicaments, donc c'est en train de faire effet là, c'est en train de travailler, hein. Alors non, c'est pas dégueulasse de rôter ou de péter, je crois qu'on le fait tous, hein. Voilà, donc moi je suis désolée, mais la nuit je pète pas. Voilà. Je pète quand je suis réveillée. C'est très rare que je pète en vidéo. Hein. Faut vraiment que je sois ballonnée. Quand on dit ballonnée, ça fait mal quand même. Hein. Un petit ballonnement quand on a envie de péter, on a mal au ventre. Et bon, bah, si j'ai envie de péter, maintenant je mettrai pause. Hein. Bon, bah, je n'ai pas grand chose à dire ou à faire déjà. Ah, vous étonnez pas si je parle du nez, hein, j'ai le nez bouché. C'est le matin. Enfin, le matin, très tôt. 2h15 à peu près. Donc, voilà. Je vais pas prendre les loustiques. J'attends qu'ils se rendorment. Et puis bon, ben j'ai remis une pile dans le thermomètre qui fonctionne. Parce que l'autre, il est vraiment à HS. Il indique une mauvaise température. Donc voilà. Excusez-moi, j'ai un bouton là. En fait, j'essaie d'enlever la pellicule qu'il y a dessus.
Et ceci étant fait, c'est gênant des boutons. Surtout si j'ai eu une éruption, disons, sur tout le visage. Alors, je ne sais pas si c'est la chaleur, en fait, il fait 22, donc ça va. C'est pas trop ni trop chaud ni trop froid. J'ai encore des capsules à enterrer. Où c'en est une que j'avais préparée. Où c'en est une que j'avais préparée, ça. Un cabochon. Faudrait que je fasse un de ces quatre. Que je retrouve la feuille. J'ai encore mal aux chevilles. Voilà. Je ne sais pas si c'est la fibromyalgie. Donc j'ai bien fait de prendre l'Acupan tout de suite. Et puis j'ai pris mes médicaments. Donc ça devrait se passer. Antibiotiques. Antidouleur, enfin tout le tintouin quoi. Il me reste plus qu'à faire ma toilette avec l'antiseptique. Je connais pas celui-là, mais Citéral. On va tester. Je sais, j'ai encore du Septivonde ouvert, donc je vais voir. Ben oui, j'ai mis qui me gratouille. Quand ça gratouille, ça gratouille. J'ai une bouchée. Pourtant, je me suis mouchée deux, trois fois. Il faut pas s'étonner, hein, de la voix. Voilà. Bon, aujourd'hui, je sais pas ce que je fais, si je vais chez mes parents ou pas, parce qu'ils savent pas s'ils sont là ou pas. Pardon. Désolée, mais ouais, c'est les médicaments. Quand on prend des trucs forts comme l'Acupan, qui vous anesthésie aussi la gorge, je peux vous dire que l'estomac, il en prend un coup. Puis les antibiotiques en même temps. C'est un peu dur, hein.
C'est dur, dur d'être bébé. Fais pas ci, fais pas ça, patati et patata. C'est vieux ça. Jordi doit avoir quel âge maintenant? Oh là, oui. Bon, quand je retrouverai mon encre, je vous ferai des exemples avec les plumes. Ah, j'en ai un qui veut sortir. Ah, faut que je le sorte. Qu'est-ce que tu veux, Tic? Oui, 5 secondes. Allez, viens bébé. Ah bah oui, hein, t'en pouvais plus, hein. Hein? Oh ouais, oh ouais. Voilà. Voilà ce qu'il voulait. Faire un tour. Tour de manège. Et la pépère, tu viens là? Tu viens là? Il tremble. Mais je tiens, je tiens. Je tiens. N'aie pas peur. Hop là. Pas peur. Hein? Pas peur. Tutut. Oui. Oh. Tutut. Comment tout ça? Il me raconte des choses. Non. Tiens, sur les cuisses. Ah bon, t'as décidé de remonter. Bon. Ils discutent, hein. Je sais pas si vous l'entendez, mais. Tu me dis. Tu viens? Tu viens là? Non? Et me mange pas les cheveux, hein. Non, tu manges pas les cheveux. Elle discute.
important. Oui. J'ai content d'être sorti en tout cas. Non, tu sautes pas. Non, non, je te tiens, je te tiens. Et arrête de te débattre. Voilà, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Oui, hein. Oh, bah oui, hein. Allez, hop, non, 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 ça y est, ça y est, ça y est. Oh, arrête. Coucou, tac. Coucou, tac. Je t'embête un peu, hein. Je t'embête un peu, hein. Oui. Ouais. Un petit coucou, tac. Petite caresse, oui. Oui, monsieur, petite caresse. Bon, ben voilà. Il avait vraiment besoin de sortir, faire un tour et puis. Au moins là, il cherche plus à grignoter la cage. Il cherche à faire la toilette à son frère. Alors, Tac est beaucoup plus réservé. Lui, il adore ça, être sorti l'épaule. Alors là, il adore. Ah, puis il discutait bien. Hein. Je sais pas si vous avez entendu, mais j'aurais eu mes oreillettes, vous l'auriez entendu. Vous l'auriez entendu. Excusez-moi, je me reprends. C'est rare que je les prenne la nuit, mais il faut que je sois vraiment réveillée pour ça. Alors, excusez-moi, non, il n'y a rien, hein, mais c'est un toc. Voilà, il faut que je fasse le tour. Ah, il m'a défait des cheveux. C'est gênant. Faut que je fasse le tour des yeux tout le temps. Enfin, là, je parais moins fatiguée quand même. Et bon, on se réveille à 1 h 30. Bah, c'est rare, mais voilà. Insomnie. Ça, c'est Tac qui boit. Pardon.
Les choses qui tombent. Bah oui, ce côté-là, c'est pas rangé encore. Puis franchement, à cette heure-là, j'ai pas envie de ranger, hein. À 2h30 du matin, c'est pas trop l'heure. Excusez-moi, il faut que j'enlève les chaussures parce que c'est tellement mal aux chevilles que je supporte rien. J'ai franchement du mal là aujourd'hui. Je sais quelle idée de mettre des chaussures quand on est chez soi. Ah oui, mais les chats, ils font pipi par terre et des fois, bah, marcher dedans en chaussettes, c'est pas terrible. Ou quand c'est pas le chien. Donc voilà pourquoi je mets les baskets ouvertes. Il n'y a qu'ici que je suis sûre qu'il n'y a rien, quoi. Et m'a griffouillé, hein. Non, ça va, c'est pas trop. Non. Par contre, il a joué avec mes cheveux. Hein. Donc, excusez-moi. Je vais refaire là. La queue de cheval. Ce qui m'a défait des cheveux. Et puis en plus, c'est attaché n'importe comment. Voilà. Non, mais il faut pas chercher, hein. Je crois que j'ai une crise de fibromyalgie. Ça commence. Je me rends compte en regardant dans le miroir et puis, ah ouais, elles sont bien rouges. Le miroir, il est juste là. Pas terrible, mais bon, comme j'ai pris mes médicaments, ça va se passer rapidement. Bon, j'ai encore deux rendez-vous et après je suis tranquille. Il y en a deux qui sont passés déjà. Ouais. La plus dure, c'est demain.
T'arrêtes de vouloir lui faire la toilette. Hein, Tic? Il veut pas. Ils sont pas possibles. Bon, bah, je vais arrêter là. Donc encore bienvenue. Et voilà. Et voilà.